Donc du coup, là, on va aller à l'ancienne adresse du Matos & Game, la grande boutique. Et du coup, on va voir ce qui est devenu Matos & Game en 2024, en juillet 2024. L'ancienne adresse, je crois que c'est 11 rue d'Alsace. Donc on va y aller, je vous emmène avec moi. On va faire montrer ce que c'est devenu. Allez. Bon, moi, je viens d'arriver à l'ancien Matos & Game. Et regardez-moi ça, il est juste en face de moi. C'est à côté, rue de la Molière à côté. Regardez où je suis. Je suis à l'ancien Matos & Game. Il est ici. Bon, ils ont quand même gardé la déco hein, pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps ça va rester ouvert. Regardez, il y a encore le Sonic, il est encore là. Il y a encore des trucs, mais bon, avec ça, on ne peut pas faire grand chose. Mais il y a encore là. En tout cas, l'aventure est toujours là. Mais il n'y a plus rien. C'est totalement vide. Bon, il y a encore les Mario et Sonic à l'intérieur. Bon, vous voyez que c'est totalement vide. Il y a juste les tags qui sont restés. Les tags de Sonic et de Mario. Et l'aventure, il y en a encore là. Les Tortues Ninja, Matos & Game. C'est à peu près un an qu'il est parti et du coup, voilà le résultat. Vous voyez à quoi ça ressemble maintenant. Bon, ça a été sans doute repris par un bon avis vu la grandeur, soit par un magasin, une pharmacie ou un restaurant. À voir. Le seul truc qui reste, c'est des palettes. Il n'y a rien à en faire. Donc, voilà, vous voyez ce qu'est devenu le magasin Matos & Game. 11 rue de l'Alsace.